aujourd'hui, c'est la finale du Coupe du Maire édition 2021. En tant que membre de sport départemental, revenez vraiment l'ambiance de cette belle finale. Merci beaucoup. Je voudrais véritablement remercier d'abord le maire pour cette initiative. Je pense que c'est la deuxième édition de la Coupe du Maire et organisée de cette façon. Donc, c'est pour nous l'occasion de le remercier pour les nombreux efforts qui sont en train d'être faits aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là pour cette grande finale. Cette grande finale qui a eu aujourd'hui le mérite de recevoir trois ministres de la République. Le ministre des Sports, Makarba, le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Sidi Diop, mais aussi le ministre Moussa Baldé de l'Agriculture. Je pense qu'aujourd'hui, Benigara est la capitale du football du Sénégal. Et je pense que c'est une grande fierté pour nous. C'est l'occasion de remercier l'équipe municipale. Vraiment, c'est pour Fatou qui a réfléchi le stade comme vous le voyez, mais aussi qui a mis en place des producteurs, mais aussi qui a aussi réfléchi le terrain propre de Benigara. Donc aujourd'hui, en tout cas, dans la politique des infrastructures, excusez-moi, aujourd'hui, la municipalité est en train de faire. Et aujourd'hui, mon souhait, notre souhait aujourd'hui, c'est que le ministre des Sports nous aide à avoir un engagement sémantique. C'est ça aujourd'hui, vous avez vu, nous avons les producteurs, vraiment, nous avons réfléchi la tribune et les alentours, il nous reste maintenant l'engagement sémantique. Je pense qu'aujourd'hui, Benigara mérite cette puisque nous avons le plus grand département de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les administrations municipales de Benigara, il y a eu des améliorations.
stade a été réfectionné. On a eu. On a. Amené un projecteur. Donc, nous avons eu. Vraiment, c'est des gestes à saluer. En plus de cela, il y a eu le terrain qui a été aussi réfectionné. Donc, aussi, vraiment, madame, bravo. Maintenant, Daniel Yann, avec le ministre, est-ce que vous avez